Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Et là, nous allons un petit peu travailler sur Excel. Donc, je vais ouvrir Excel. Donc, vous voyez qu'à l'ouverture, Excel vous propose une police de caractère Calibri et une taille de 11 et ici trois feuilles. Hein, trois feuilles de calcul, on va dire. Le problème, c'est que si le Calibri ne correspond pas à votre cahier des charges, bah, vous allez devoir modifier pour l'ensemble de la feuille, la police de caractère. Alors vous allez voir qu'il y a deux possibilités. La première, je clique ici pour sélectionner l'intégralité de la feuille et je vais ici indiquer que je veux mon Arial par exemple. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, on va utiliser le bouton Office et on va aller dans Options. L'intérêt de passer par ici, c'est qu'à chaque fois que l'on ouvrira un classeur Excel, eh bien, il aura les caractéristiques que nous lui aurons données. Donc, par exemple, ici dans la police, je veux mon Arial, je veux une taille de 12, et par exemple, les feuilles de calcul, j'en veux pas 3, mais j'en veux 5. Ça veut dire que systématiquement, à l'ouverture d'Excel d'un classeur, j'aurai ces paramètres-là. Donc, je valide. Alors là, ben, bien entendu, il va vouloir que je ferme Excel pour qu'il tienne compte, donc là je n'enregistre pas mon travail, hein, de ce que je viens de faire. Donc j'ouvre Excel. Voilà, et regardez, j'ai bien mon Arial en police de 12 et en bas j'ai bien mes 5 feuilles de calcul. Voilà, c'en est terminé avec cette petite vidéo sur la présentation de ce qui est faisable avec Excel pour respecter une certaine charte graphique. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses, on y viendra un peu plus tard. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, Baudin Prof TV. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci, au revoir.